Eh bien, salut à toutes et à toutes, ici le Grand Gnocchi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Et oui, puisqu'aujourd'hui, eh ben, on va parler de pourquoi je suis inactif en fait. Parce que vous l'avez évidemment bien remarqué, il y a des gaps gigantesques, des gaps en anglais, qui veut donc dire, voilà, des espaces, hein, des espacements de bâtards, hein, on peut le dire, hein, carrément, c'est le premier confinement, c'est pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi, entre toutes mes vidéos. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer pourquoi, parce que il faut dire que j'ai fait beaucoup de promesses en l'air que je n'ai jamais tenues, en disant, ouais, ça arrive, blabla, et en fait, bah, c'est jamais arrivé. Alors après, pratiquement tout ce que j'ai promis, je l'ai dans les cartons, mais c'est juste que je n'ai jamais respecté mes promesses quant à la durée que ça allait prendre, en fait, d'arriver. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous expliquer pourquoi, en très très bref, parce qu'on n'est pas là pour les dîners, il faut que ce soit simple, bref. Tout l'inverse de ce que je suis. En bref, bah voilà, là je parle trop en fait. Donc pourquoi eh bien il y a des gaps. Alors déjà, premièrement, l'origine, je dirais, c'est parce que malgré le fait que je parle beaucoup fort et que je sois l'homme le plus drôle de France, on peut le dire, hein, honnêtement. Bah voilà, je vais vous confier à moi, je suis pas le mec qui a le plus de confiance en soi de la vie en fait. Et donc bah de base, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis putain, Est-ce que je vais être à la hauteur de ce dont je veux parler, parce que je veux rendre vraiment honneur à chaque fois de ce dont je vais parler, de ce à quoi je vais jouer, bref, n'importe en fait. Et aussi, ben, peu importe si j'y arrive en fait, et ça arrive, des fois j'y arrive, genre par exemple, bah, on va prendre l'exemple de mes toutes premières vidéos, ma vidéo sur Sonic 2006, bah j'y étais arrivé, et pour moi c'était un putain de banger, je suis très fier de cette vidéo que je vous invite d'ailleurs à la voir, bah on va pas, hey, on perd pas le nord, on va faire sa pub bien sûr. Mais en fait, bah je l'ai trop bien réussi, et après j'ai voulu faire C'est un monde Kagura, qui est donc la deuxième vidéo de ma chaîne, hein, donc j'ai réussi à faire, mais on peut voir qu'il y a un gap de, bah, de 9 mois, je m'en souviens de où. 8, 9, je sais plus. Et en fait, bah voilà, j'avais tellement bien réussi la vidéo sur Sonic 2006, j'étais tellement fier, surtout que si vous regardez, ça peut être marrant, il y a mes toutes premières vidéos, mes vraies premières vidéos avant, et c'était de la grosse merde. Vraiment, c'était nul à chier, et j'avais l'impression d'avoir bien appris eh bien mes erreurs, qu'est-ce que je faisais de mal. Donc j'étais très content, mais j'ai eu un stress monumental, et du coup, c'est un Kagura, j'ai été complètement bloqué, surtout que c'était un jeu qui me tenait énormément à cœur, ça se voit si vous regardez ma vidéo, je vous invite à aller la voir également, c'est une excellente. Bah pour moi, c'est. Je pense la meilleure vidéo de ma chaîne. La meilleure dans mon cœur c'est Sonic 2006, mais la meilleure objectivement serait Sonic Kagura. Mais donc voilà en fait, j'ai eu beau avoir réussi Sonic 2006, j'avais un putain de blocage quoi. J'étais en mode, est-ce que je vais faire une vidéo aussi bien que celle-là? Est-ce que je vais rendre honneur à Sonic Kagura? Et ça m'a énormément stressé. Et du coup bah j'ai toujours remis au lendemain, j'étais en mode bon j'y arrive pas, vas-y j'arrête et tout. Et le problème c'est que voilà, plus je réussis des trucs, plus la peur de ne pas être à la hauteur de ce que j'ai déjà réussi s'amplifie. Donc c'est horrible. Voilà, ouais, donc c'est ça l'origine. Ensuite, la continuation de ça, c'est le manque de discipline. C'est-à-dire que souvent, bah par exemple, bon, écrire un texte, par exemple, déjà c'est très dur, ça fait, honnêtement, ça doit faire un an que je n'ai écrit, non, je suis un troller, ça fait quelques mois seulement que j'ai pas écrit de texte, et je suis quelqu'un qui écrit beaucoup de textes, même sur Discord, qui donne beaucoup d'avis à ses amis, des trucs comme ça, et quand il s'agit d'écrire une vidéo, j'ai un stress monumental, je me dis que je vais pas réussir, et encore une fois, bah, ce manque de confiance me donne aussi un manque de discipline de toujours remettre au lendemain, ah c'est bon, je fais pas ça aujourd'hui, je fais ça demain, bah, donc ça c'est le premier problème, et le deuxième problème, c'est que, bah par exemple, quand je joue à un jeu, bon, ça va, là c'est pas dur de se motiver, hein, c'est du plaisir tout simplement, même si ça me stresse de commenter etc. Mais là du coup un autre problème se pose, celui du montage, parce que je dirais que j'ai toujours résumé ça comme ça. Pour une vidéo, on va prendre l'exemple d'une grosse vidéo écrite, le plus dur c'est de faire le texte, le plus stressant c'est de record sa voix tout simplement, et le plus dur c'est le montage en fait, non le plus chiant c'est le montage, voilà exactement. En vrai j'aime bien le montage, je trouve ça marrant de pouvoir bah donner vie à mes idées, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps, c'est très répétitif, c'est pas un exercice très fun en vrai, hein. Genre pour 10 secondes de vidéo, des fois tu vas y passer genre 20 minutes et t'es juste en mode bah du coup quand t'as une vidéo de 30 minutes, bah c'est super long, et c'est pour ça que des fois je me démotive, j'ai du mal à rester concentré très longtemps, c'est dû aussi, je vais pas aller trop dans le perso, mais on va dire que c'est dû aussi un peu à ma situation, j'ai vraiment, dans ma vie, j'ai un manque de discipline qui est immense, c'est-à-dire que vraiment quand je dois faire un truc, travailler, faire un truc un peu chiant en vrai, parce que bah voilà, je dirais que la partie vraiment passion, on s'amuse, c'est genre de jouer, d'écrire le texte et tout, de dire tout ça, même si c'est dur, mais monter c'est vraiment, il y a genre 50% d'amusement, 50% de travail, et quand il s'agit de ces 50% de travail, et bah j'ai la flemme, et très souvent je remets au lendemain et je le fais pas. Et donc c'est ça qui m'a empêché, bah vous avez vu Sonic Colors Ultimate, hein, je l'ai dans les cartons, ça va sortir, vraiment, hein, y a pas de soucis, je compte bien terminer, ce que je déteste c'est de laisser des trucs inachevés, le problème c'est que bah ça fait déjà un an, en fait, et qu'à la base, bah, c'était vraiment prévu, j'avais même fait une playlist, genre, tous les vendredis, bah, MDR nous, en fait, et ça m'a empêché, voilà, de continuer ce let's play correctement, mais c'est entièrement ma faute, hein, attention. Et pareil pour Monkey Ball Banana Mania, qui n'est jamais arrivé, hein, donc c'est le dernier Monkey Ball en date, je rappelle, parce que j'avais fait, donc, le let's play sur Banana Splits, HD, on s'était beaucoup amusé, pour moi, c'est un let's play masterclass, c'était vraiment génial, j'avais été super bon, c'était très drôle et tout, et j'étais tout simplement content, donc je voulais faire, bah, le nouveau, parce que moi, je suis fan de Monkey Ball, hein, aussi, tout simplement, donc j'ai tout record, alors j'ai pas tout à fait fini le jeu, mais globalement, j'ai à peu près tout fait quoi on va dire. Mais le problème c'est que voilà ça fait il y a des grosses vidéos qui durent 2 heures, ça fait 10 heures à monter et je suis là en mode can we get much higher? Mais donc ça arrive hein, ça arrive évidemment. On en reparlera en fin de vidéo sur pourquoi ça arrive. Mais donc
Pourquoi dernièrement ça a été vraiment pire que tout? Parce qu'on a pu le voir, hein. Attendez, je vais sur ma chaîne en deux spies pour avoir les visus. On peut voir que depuis un an environ, il y a eu quoi? Il y a eu la fin de Monkey Ball, il y a eu la vidéo sur Sonic Frontier, donc la toute première, hein, en mode est-ce que... Enfin, il est prometteur et tout, c'était le tout premier reveal. On a eu des petites vidéos dancing où je montre ma passion pour les AMV, parce que vous savez pas, peut-être vous demandez pourquoi je branle ça, j'avais envie, tu vois, et j'adore les AMV, donc j'étais en mode, bah vas-y, je suis pas super bon, mais et j'adore la danse, donc voilà, j'ai fait ça. Il y a eu Naraka, et il y a eu les deux vidéos sur Sonic, donc le Sonic Central et la rédemption de Sonic Frontier. Mais on peut voir que déjà il y a eu des grands espacements entre toutes ces vidéos, hein. Il y a 10 mois Sonic Frontier, il y a 9 mois Dancing, il y a 7 mois Naraka, donc 2 mois qui s'écoulent entre les deux. Ensuite entre Naraka et les deux vidéos sur Sonic, il y a 2 mois. Et puis là ça fait 4 mois, hein. Ça fait 4 mois qu'on s'est pas revu et vraiment ça me tiraillait de l'intérieur, hein. Croyez-moi vraiment, mais j'y arrivais pas. Et pourquoi ça a été pire ces derniers temps? Bah c'est parce qu'en fait, pareil, c'est du privé, donc on va pas rentrer dedans, hein. Je vais pas vous raconter ma vie, mais faut dire que ça va pas très très bien dans ma vie ces derniers temps. Donc en fait, quand tu mets tous les événements qui résonnent entre eux, c'est-à-dire le manque de confiance en moi, le manque de discipline, et donc le fait que ça aille moins bien dans ma situation globale, et bah ça fait que je suis très inactif, j'ai un blocage, vraiment un putain de blocage en fait, et donc bah ça crée ces gros gaps entre les vidéos. Voilà, donc c'est la fin des explications en fait, hein. y a vraiment que ça. Mais juste, je voulais vous tenir au courant, parce qu'à chaque fois je fais souvent des fausses promesses. Si vous me suivez sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, c'est cool, mais ça sert à rien puisque je suis un menteur. À chaque fois justement, je vais venir, parce que à chaque fois je dis machin, ça arrive, nanana, et en fait ça n'arrive jamais. Et dans mes vidéos, encore une fois, j'ai dit souvent ça, donc je fais souvent des fausses promesses. Et je voulais arrêter de vous prendre pour des abrutis, même si c'est pas, bah c'est pas le but, hein, évidemment. C'est juste qu'à chaque fois, bah sur le moment, j'y crois vraiment, et ça m'énervait de vous prendre pour des bouffons. Voilà, tout simplement. Mais donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qui va suivre, parce que là je suis de retour. Il y a des choses qui vont suivre. Je garantis pas la cadence, honnêtement, mais je vais tout donner. Je vous promets que je vais tout donner. Je veux pas gâcher cette période de ma chaîne qui s'annonce comme une masterclass, on peut le dire, puisque bah qu'est-ce qui suit? Bah j'ai pas besoin de vous le dire les gars, Sonic Frontier, tout simplement. Sonic Frontier, normalement, cette vidéo sort le jeudi 10 novembre, le jeudi 10 novembre, et donc Sonic Frontier c'est vendredi, c'est demain, d'accord? Voilà, j'ai record, j'ai commencé à jouer au jeu, j'en suis à la troisième île, hein, pour les connaisseurs, puisqu'il y a 5 îles, et voilà, donc il faut que je continue, mais j'ai bien entamé, et je compte vraiment tout monter très sérieusement, parce que voilà, c'est un nouveau jeu Sonic, c'est une masterclass, ça fait genre 5 ans qu'on attend, je suis trop content, les vidéos sont super bien, j'ai des réactions géniales, et le jeu, spoiler, il est bien, il est vraiment très bien, mais ça je vous laisserai bah regarder, hein, tout simplement. Donc ça arrive déjà. Et puis une fois Sonic Frontier terminé, je finirai Sonic Colors et je commencerai Banana Mania, donc Super Monkey Ball Banana Mania. Et par contre, pendant Sonic Frontier, c'est ça qui va être cool, c'est que je vais faire d'autres petites vidéos ici et là. Donc vraiment, je sais que c'est la hype Sonic Frontier, mais j'apprécierais vraiment énormément que vous les regardiez aussi, tout simplement. Donc je ne spoil pas sur quoi seront ces vidéos, mais on va se régaler. Et puis encore après, j'aurai 2-3 vidéos, petites et grosses vidéos à faire. En bref, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que là, normalement, si je ne fais pas l'abruti comme à chaque fois, et j'espère vraiment que ça va pas arriver à chaque fois, bah j'ai du contenu pour des mois. De toute façon, même si le compte, même si jamais, parce que franchement je vais pas faire je vais pas faire le mec, c'est possible que je rate tout, encore une fois. Mais quand bien même j'ai du contenu pour des mois durant, je vous assure que j'ai tellement de vidéos qui traînent que je n'ai pas faites, c'est une putain de dinguerie en fait. Mais cette fois je rigole vraiment pas, je veux pas de nouveau perdre, enfin rater le coche. Je veux que Sony Frontier ce soit une super période de ma chaîne et qu'on en profite tous ensemble au moment où le jeu sort et faire un peu toutes mes autres vidéos à côté aussi en même temps. Je vais tout donner, je vais travailler pendant des mois. En bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous remercier tout simplement bah, de me suivre, de me soutenir, parce que bah en vrai voilà, hein, j'en parle jamais en fait, je suis pas super personnel avec vous en général en fait dans les vidéos. Mais moi ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, j'avais une ancienne chaîne à l'époque et tout. Et mon ancienne chaîne à l'époque elle avait passé à peine les 200 abos en genre un an non-stop de vidéos. Mais à l'époque j'avais 12 ans, je faisais des vidéos de merde. Et là ben voilà, je suis juste content en fait de faire des vidéos, des bonnes vidéos dont je suis fier, de partager mes passions, mes goûts, mes délires avec vous. Et je suis content en fait, bah voilà, d'avoir presque 700 abonnés, c'est pour moi c'est énorme. Bon, je vais pas faire le truc, oh merci pour les 50 abonnés les gars. Je sais que c'est pas gigantesque, mais j'ai l'impression d'avoir quand même vraiment une petite commu que vous êtes. Et je vous remercie juste de me suivre, d'être là, d'être au rendez-vous. Et surtout de pas me lâcher malgré le fait que je sois inactif comme un méga porc. Genre j'ai beau arrêter pendant des mois à chaque fois, vous êtes toujours là pour revenir en fait sur les vidéos, pour me soutenir, pour regarder. Et donc je vous remercie pour ça, et j'espère que ce sera le cas encore une fois. Parce que ça c'est bah, une grande peur aussi. Genre je suis en mode et si là je m'arrête la fois de trop, tu vois, si je m'arrête encore pendant quelques mois et que en fait tout le monde arrête de me suivre et qu'il n'y a plus personne. Donc j'espère qu'encore une fois vous pourrez me pardonner cette inactivité et me soutenir. En tout cas je vous aime les gars, vraiment c'est sincère, genre
c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir faire des vidéos et d'avoir de vous avoir, de pouvoir dialoguer avec vous. Je lis tous vos coms, je ne réponds pas toujours, mais je mets des petits super likes. Ouais, on connaît, donc pour vous faire savoir que j'ai lu, c'est juste que des fois j'ai rien à rajouter de particulier. Donc voilà, donc merci à vous. Voilà, merci à vous d'être là. C'est vous qui me faites oh, la phrase de youtubeur. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour ceux qui arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà, parce que voilà, je voulais aller super vite et au final j'ai quand même trop parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve tout simplement très bientôt pour, je l'espère, l'âge d'or de ma chaîne. Je vais tout donner. Et maintenant, vous savez pourquoi... Enfin, vous savez tout de moi. Vous savez toute ma vie. C'est ma biographie que je viens de vous faire. Non, mais vous savez pourquoi, voilà, pourquoi des fois je suis inactif. Et voilà, mais là, ça va être différent cette fois. Donc, soyez au rendez-vous. Voilà, donc juste par contre, oui, ça, je l'ai pas dit. Mais du coup, je vais peut-être un peu alléger le montage. Voilà, je dis pas qu'il y aura peut-être pas des zooms partout et des images tout le temps parce que j'ai beaucoup de trucs à monter. Donc, ce sera quand même un bon montage bien fignolé, mais juste peut-être avec moins riche. Voilà, c'est ça, c'est un truc que j'ai oublié de préciser. Je vous dis tout simplement à demain pour Sonic Frontier en fait. Voilà, à demain pendant les prochaines semaines, puisque ça va continuer, ça va être un flow continu. Voilà, je clôture la vidéo, merci d'avoir regardé, mettez le like, partagez la vidéo, n'oubliez pas d'aller me suivre sur tous les réseaux sociaux, parce que je le dis jamais, je suis un gros fils de pute, n'oubliez pas de vous abonner aussi, si vous êtes pas abonné, si vous regardez mes vidéos et que vous êtes pas abonné, oh, faut cliquer sur le bouton rouge, il est pas rouge pour rien, c'est pour attirer l'attention, d'accord, donc cliquez. Mais bref, en tout cas, à très bientôt, à demain, à dans les semaines à venir, et voilà, je vous aime encore une fois. Salut !